Sixième rêve. Je vois flotter des crépuscules dans la mer. Je vois se soulever des montagnes. Je vois des corps courir. Je vois la peinture gicler. Je vois l'idée éclore. Je vois l'action qui transcende, que le soleil est immobile, que la montagne est immobile, que le corps est immobile, que la peinture est immobile, que l'idée est immobile. Toute action immobilisée. L'instant tel qu'il est.
ramène un chef-d'œuvre, sinon à son créateur. Noir abîme d'océan dans une fenêtre rouge. C'est cela. Un événement spirituel. Une expérience psychique. Un état non conceptuel. Le plein couvrant le vide. Yin sur le yang. Les contours saignent. Rouge sur noir sur rouge. Le regard pénètre le noir, dont on dirait qu'il scrute l'éternité. Un vide immense. Un abysse sans fond. Un monde tel qu'il est. Une vision qui abolit l'écart. Un coin zen. Un paradoxe dans l'ambiguïté. Quels sont faits le noir sur le rouge? Les scientifiques disent entendre chanter la Terre. Elle émet une note qui ressemble au son OU. Centre tourbillonnant, hurlant dans leur perpétuel et sauvage mouvement. Son d'un tableau. Ou Rothko. Ou tout entier. Il plonge dans nos esprits, nos perceptions, dans nos silences cachés. Noir, dont on dirait qu'il scrute l'éternité.